Eh bien, salut tout le monde, c'est Ezor. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus 1.9. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Salixus. Salut à toi. C'est Ezor, et puis salut tout le monde. Hein. Donc une petite vidéo PVP sur 1.29. Hein. Ouais, ça me fait plaisir de pouvoir qu'on puisse refaire des vidéos sur 1.9. Je suis vraiment désolé d'avoir mis du temps à vous faire des vidéos sur 1.9 parce que malheureusement, je ne pouvais pas payer le VPN et ni l'abonnement. Donc là, ça y est, pendant un mois, vous aurez des vidéos sur Dofus. Ben, je te laisse présenter, si tu veux, l'équipe. Allez. Sadida, multi apparemment, 9 PS IPM, 2300 points de vie, je crois, de base. Ouais. Des belles raises, quand même. Ça va, c'est pas dégueulasse pour un 1.9. Ouais, hein. Niveau 140. Et un Ossa, on dirait qu'il est en panneau de classe. Il a 10% partout, à part en neutre. 3000 points de vie quasiment dès le... Ouais, 3000 points de vie, 11 PA, 7 PA. Pas mal, hein, pour son niveau. Ouais, un beau, ouais, bel opti. Et un mot-clé. Alors par contre, j'ai vu tout à l'heure, le dragonnet a désenvoûté le... Ouais, il a désenvoûté l'Ossa parce qu'il était... Il était sous poison. Ça, c'est pas mal, quoi. Et le dragonnet qui avait une sale gueule à l'époque, hein, quand tu mets le dragonnet, tu mets ta souris sur le dragonnet, ah, ça ouais. Fait une image vraiment dégueulasse, quoi. Pour ça, ils sont pas cassés du cul, quoi. Donc, vous me direz aussi en commentaire si vous avez envie que je vous propose une présentation du donjon Crocabulia. Malheureusement, en fait, à la fin, celui qui faisait le donjon, il a eu un problème avec son VPN, ce qui fait qu'il a bugué au boss vers la fin. Donc, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas géré le Crocabulia. On était au boss et tout, il restait plus que le Croca. Après, vous me dites, hein, si vous voulez quand même que je vous présente le donjon. Pour que vous puissiez voir un petit peu comment il est, sinon bah, vous attendez 3 semaines vers là pour en avoir un nouveau. Et là peut-être qu'on pourrait, enfin là on le gérera cette fois-ci. Mais bon voilà, vous me direz en commentaire si ça vous tente quand même. Je vais mettre le canal, j'enlève le canal commerce pour que vous puissiez voir totalement le... Oh là là, il joue tremblement là. Ouais. Il joue tremblement, il comme ça, lance il tue les maîtrise les du marteau. Ouais. Et moins 73, ça va être dur hein, pour le Sadi. Parce que il a quand même pas mal de points de vie, l'Ossa. J'espère qu'il va y arriver. Il va ouais, réussir. C'est hein. Un Ossa full panneau de classe, donc. Donc ça risque d'être un combat assez assez sympa, je pense. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, aussi les Ossa jouaient full invoke. C'était la spécificité encore des de ces persos, et les gens rageaient aussi beaucoup, encore comme d'habitude, hein, sur. Il débuff encore. Ouais. Étape du 156 quand même. Donc c'est. Pas mal. Ouais. Dragonnet qui fait. Il lance contre le Prespic. Et est-ce qu'il fait la perte de PA donc. Là, les tofus vont exploser. Voilà. Parfait. Il lui reste 1951 points de vie. Ok. Donc ça y est, là il a tué le Dragonnet. Peut-être un râle PM. Ouais, peut-être, ouais. Voilà. Voilà, moins un PM, parfait. Ah, moins 4, ouf. Ah, c'est dur, ça. Ouais, il lui reste plus que 2 PM à l'Ossa, malheureusement. Et il invoque la sacrifiée. Qui va venir exploser, j'espère. Ah. Il explose le pic-pic. Ouais, il explose le pic-pic, malheureusement. Et là, il invoque le Bork Mage. C'est vrai que là, c'est vrai que j'avais zappé les Ossa boost en croix. Ça, c'était vraiment. Ouais, ça c'était bien quand même. Ouais, parce que maintenant, tu te sers juste de ton Ossa pour booster tous les tours, quoi. Donc ça revient au même. C'est moins intéressant qu'avant, quoi. Donc je sais pas, c'est un peu space qu'ils ont voulu faire. Mais bon. Malheureusement, on pourra pas retourner en arrière, quoi. Allez, bah, c'est terminé le. Mais c'est pour se soigner un petit peu, hein. T'as vu à chaque fois. Ça permet à ce que le Sadi se soigne. Et un coup de marteau à moins 175, 190. Qui tape pas énormément. Hein. T'as vu quand même à l'époque, les coups de marteau. Niveau 146, tu tapais pas des masses. Ouais, t'as eu le boost là. 4 PA en croix. Ouais, ça c'est vraiment cheat quand même. Qui fait plaisir. Et 4 PM. Ouais, je comprends qu'ils étaient pas aimés quand même. Hein, parce que. Ah ouais, tu m'étonnes. En plus les boosts ils durent très très longtemps quoi, tu vois, c'est du 10 tours, 5 tours. Pff. Ouais c'est ça ouais. Là je regardais le boost là du tofu, 9 tours déplacement félin, t'imagines pendant 9 tours déplacement félin, pendant 4 tours piqûre motivante, donc c'est
assez énorme quand même. Et là, il reste plus que 2260 points de vie à Lossa. Il faut que ça dit rush sur Lossa, voilà. Ouais, ouais. Coup de marteau, je pense. Voilà. Ouais. C'est quoi comme marteau qu'il a? Je crois que c'est marteau M pouce, je crois. Ouais, on dirait, mais. Oula, sacrifié tous les deux tours, donc. Ouais. Qui a pour faire bien mal. Et il invoque la folle. Ouf, 2 PA. Allez, il reste plus que 2014 points de vie à Lossa, donc tout est encore jouable. Bon, il reste que quand même 1499 points de vie au. Ah ouais. Au Sadji, donc c'est quand même assez serré, mais bon. Petite sauvegarde. Ouais. Le Bork qui a encore 9 PM, bon, ça va, c'est pas. Pas vraiment bien grave. Et j'espère, voilà, que ces petites vidéos. PVP, parce qu'en fait sur l'officiel, enfin sur le serveur, je suis à 964 000 kama. Il me reste encore un solo monk à vendre, donc mon stuff PVP commence à s'approcher. Bon, c'est pas encore là, mais bon, petit à petit ça commence à arriver, donc c'est plutôt cool. Je suis assez impatient de pouvoir ah bah parfait, comme ça il va pouvoir taper le Bork mage. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Ah, mais le Bork a crapaud, donc Et bien sûr, inimité au niveau des coups de marteau. Et bien sûr, on est sur le serveur, un serveur officiel. Hein. On n'est pas sur un serveur privé, on est sur le serveur officiel hispanique. Je préfère vous préciser pour ceux qui penseraient qu'on est sur un serveur privé. C'est que en Espagne, enfin, vers les pays hispaniques, ils ont encore accès à un serveur 1.9 parce qu'ils n'ont pas les PC pour pouvoir jouer à la 2.0. Déjà que nous, avec des bons PC, on rame un peu sur la 2.0. Alors eux, malheureusement, ça risque d'être un peu... C'est la crise. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, le qui a repris CPM, Lossa. Ah, ça lui fait du bien du coup. Ah bah ouais, là. Mais par contre, il perd. Ah, les poisons qui tapent. Hein, 139. Il a vraiment pris cher le. Ah, ouais, c'est quoi, c'est un PA, font perdre 2 points de vie. Ah, ouais, ça pique. Hein. Ouh, moins 2. Il assume pas. Ouais. En même temps, avec les presse-piques, c'est vrai. Il est où là le... Putain, en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas le mode tactique sur 1.9, ce qui est un peu. Il est derrière l'arbre. Ouais, derrière l'arbre. Ouais. Elles valent pas cher les TD Kamé. Hein. 700 000 Kama, level 100, une prune émeraude. 700 000 Ouais. C'est quand même pas mal quand même. Ouais, wow, surtout va. Pour savoir hispanique, c'est assez cher quoi. Ça va, ça va. Allez, perd un PM. Sadi a perdu un PM et de là il a toujours la PO pour pouvoir toucher le. Ouais, il pile le prestige, un petit poison, je pense. Voilà, comme ça, ça lui soigne en plus du 73 et tremblement. Ça, c'est parfait ça. Et il re-invoque encore à sacrifier. Un petit moins 100. Ouf. Ça risque d'être un peu compliqué hein, quand même pour le Sadi. Ah ouais, ça c'est, il joue bien là ça. Du coup le tofu va pas mourir. Ouf. Oh là 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 là, 5 PA là. Il a perdu 126 points de vie quand même le Lossa. Mais là il y a quand même 4 tofu qui jouent là. Oh là là là. Il y a 3 tofu qui vont jouer, les autres vont mourir. Ouais. Ouais, 3 ouais. J'ai oublié qu'il avait lancé tremblement. Eh, ça fait mal à chaque fois, hein. 50 par tofu à force. Voilà. Voilà. Et l'autre tofu, ensuite il y a le Bork Mage qui va jouer. Donc ça va être un peu compliqué. Il a peut-être la PO ensuite pour enlever des PM. Je sais pas s'il peut relancer le sort. En plus, les Beko de tofu pendant 2 tours, oh là là. Moins 100 en agi quoi. Oh, il s'est pris 3 Beko là. T'as vu? Ah, ça pique. Beko, il a 14 PA. De l'agilité quoi. Comment ça se fait qu'il ait 14 PA? Ah, il a 2 boosts. Ah, il a 2 boosts PA sur lui. Ah ouais. Plus 4 PA, plus 5 PA. Ah, ça c'est le tofu de combat ça. Ouais, 14 PA, 16 PM quoi. Putain. Ah, la violence. Bien. Ouais, je pense que Sadi va perdre malheureusement parce qu'il va. Il va pas y arriver, je pense. Poison paralysant. Lossa va réinvoque le dragonnet en plus. Ouais, ça va picoter. Dragonnet. Je sais pas pourquoi il joue pas trop Crackler. Bah je sais pas, ouais c'est...
Ah non, il l'invoque. Ah bah ok, d'accord, il peut faire un bourg mage. Ouf, Ouf. oh là là là, il prend cher. Hein. Quoique, c'est pas fini encore, mais enfin bon, quand même, là, il y a pas mal de touffes qui y jouent. Ouais, il va être à 350 points de vie à la fin. Ça va être chaud. En plus, il se fait pousser, il perd un PM. Chaud, chaud, tendu pour Chaud, chaud, lui. les macarons. Non, peut-être pas, non. Non, non. Ouais, là non. Vraiment pas, non. Allez, le Borkmage, ça va être à son tour de jouer. Bon, ça aurait été un beau petit combat quand même, hein, entre l'Ossa et le Sadji. Nito me plespecome. Nito mi plespecome. Nito No me sabes. plespecome. Baisse, non, ça baisse Putain, la il lui reste bouillabaisse. encore 7 PM au tout fou. Oh là, oh là, oh là. Oula, reste souple, tout fou. Il a trop de PA, trop de PM, trop de vie. C'est un tank le truc. Bon, le Sadi, il reste plus que 388 points de vie, sachant qu'il y a encore le Bork Mage à jouer là. J'avais dit 350 points de vie, hein. Je suis pas loin. Ah, Bah, même 289. 289. Oh putain. Waouh. Oh. Ouf. Il va peut-être se transformer en arbre. Un petit régène, ouais, mais c'est pas Non, grand-chose. c'est pas suffisant. Est-ce qu'on mise sur l'arbre ou pas? Ah, 1, peut-être, 2. hein. Ah non. Même Ah pas. si, attends, il a encore 2 PA. Ah bah non, il veut pas. Ouais, il va mourir là. PA et soul. Ah, pas mal, mais Ouais, c'était quand quand même même. bien serré, hein. Ouais, il reste 484 points de vie à l'eau sale. Ah, bah voilà, ça Ah y est, bah là, il voilà. invoque le crackleur. Assez galère pour lui quand même, mais bon. Ouais, c'est bon, c'est fini pour le Sadi, malheureusement Pour le pour petit lui. Sadi, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en Oh ce putain, le level. bouffe-tout. Je trouve que le bouffe-tout, il est encore mieux fait que les Bork-Mage, Crackleur et. Ouais. Ouf, ouais, ça tape fort quand même. Allez, lui il va jouer. Bon ben terminé malheureusement pour le Sadi, mais en tout cas c'est sympa qu'il y ait un Sadi parce que tout le temps c'est Ossa, Kra, Et voilà. Sakri. Là ça change un peu quoi. Donc bien joué quand même pour les deux parce que c'était très serré. Hein. Il restait plus que 345 points de vie à l'Ossa. Bon mais j'espère quand même que cette vidéo PVP vous aura plu. Je te remercie Saïxus de m'avoir accompagné durant Eh ben, y a cette pas de vidéo. quoi. Je pense que pour le Sadi, il aurait pu gérer s'il avait peut-être bloqué l'Ossa. Ouais, c'est Il aurait vrai. peut-être dû jouer arbre et le bloquer. Ouais, je pense que ça aurait mieux. Ça Après, peut-être ouais, ça aurait été plus sympa je de sais pas le. combien il a d'agi, mais bon. Non, moi non plus. J'ai pas pu voir. Donc bah, je te remercie encore une fois. Et je mettrai le lien de ton Twitter dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent suivre Saixus sur Twitter. Merci encore à vous d'être aussi fidèles à mes vidéos sur Dofus 1.9. On se retrouve ce soir pour un live sur Altis Life Arma 3 sur mon Twitch. Et vous aurez le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo. Merci encore à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Allez, ciao tout le monde.